Il est l'heure d'affronter son pire cauchemar, ses démons. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, l'avant-match, la rencontre du Barça face au Bayern Munich ce mercredi. C'est la grosse affiche de cette troisième journée de Ligue des Champions, toute équipe confondue. Ça montre bien le niveau auquel les deux équipes elles jouent actuellement. Pour moi, ce sont les deux équipes les plus en forme de la Ligue des Champions actuellement, au moment où elles se rencontrent. Et d'ailleurs, je vais répondre à quelques-unes de vos questions sur Instagram avant de donner ma compo probable pour ce match. N'hésitez pas à venir sur Instagram les prochaines fois, les amis. Abonnez-vous, le lien de mon Instagram est en description. Et aussi, tapez juste le nom, c'est écrit là, à l'écran. Qu'est-ce que vous attendez là? Venez là-haut! Bref, les amis, on avance avec Johan qui demande ton approche du match. Comment tu te sens par rapport au match? Je pense sincèrement que le Barça ne pouvait pas tomber dans une meilleure période que maintenant pour affronter et le Bayern et le Real Madrid. Alors bien sûr, on aurait aimé par exemple que Daniel Olmo soit 100% fit et déjà 2-3 matchs dans les jambes avant d'entamer un match pareil. Mais ça sera un joker dont on parlera tout à l'heure encore une fois. Mais je trouve en termes de niveau, en termes de momentum, depuis, allez, 4-5 voire 6-7 années, je ne pense pas que le Barça ait déjà eu une fenêtre de tir aussi favorable, je veux dire, pour affronter le Bayern avec de vraies chances de l'emporter. Alors, tu aurais déjà pu l'emporter en 2022 lorsque le Barça de Xavi, allé là-bas à l'Allianz Arena, avait pour une première période en tout cas à marcher limite sur le Bayern Munich avec des occasions par-ci, par-là et un manque de réussite criant devant le but. Lewandowski avait fait un match ignoble devant le but ce jour-là. Les joueurs du Barça ont été maladroits et quand tu ne tues pas une équipe comme le Bayern, c'est un peu comme le Real en fait. Lorsque tu as des occasions, tu ne les tues pas, eux ils vont finir par te tuer. C'est ce qui s'est passé à l'Allianz Arena. Donc là, j'ai l'impression que pour une fois, tu peux te positionner en mode « Ouais, c'est pas en fait je veux te regarder dans les yeux, c'est j'ai envie de te battre ». C'est ce sentiment-là que j'ai à l'heure actuelle. Après, c'est possible que le Barça perde ce match, hein, tout est possible encore une fois, d'autant plus que le Bayern aussi est en forme. Mais l'impression que j'ai, comme tu dis, comment je me sens par rapport à ce match-là, c'est que ouais, j'ai l'impression que le Barça peut enfin gagner face au Bayern Munich. Parce que la dernière fois que le Barça, même pas gagner ou faire un match nul, juste marquer un but, là, là, sans tricher, dites-le-moi en commentaire, sans tricher. C'est qui le dernier buteur du Barça face au Bayern Munich? Est-ce que vous vous en rappelez? Je vous donne 5 secondes. Ne trichez pas. Bah, la réponse, elle est simple. C'est tout simplement Luis Suarez. Luis Suarez, vous vous imaginez, depuis le 8-2, le Barça n'a pas marqué face au Bayern Munich. Et pourtant, tu les as affrontés pas mal de fois. Donc là, c'est pas question en fait de gagner. C'est question aussi de remettre les pendules à l'heure face au Bayern Munich. Voilà, de mettre de côté, de mettre derrière toi tous les traumatismes face à eux. Et de faire une bonne prestation d'ensemble, en fait, tout simplement. En fait, mon sentiment global avant ce match est résumé une fois de plus par Valsou, qui dit que c'est un sentiment de finale avant l'heure. Mais ça reste un test et non une fatalité en cas de faux pas. Mais c'est exactement ça. Là, là, c'est l'impression limite que c'est la finale. Vu la forme des deux équipes, c'est le plus gros test du Barça depuis le début de la saison. Donc, il y a cette curiosité-là de savoir si tu as déjà franchi un autre step depuis l'arrivée de Flick. Parce que pour moi, tu as déjà franchi un premier step, c'est celui de faire mieux que la saison dernière. C'est-à-dire que je me rappelle, moi, du match contre le FC Séville la saison dernière où le Barça gagne un peu. Après, le Barça avait eu des situations, c'est vrai, mais tu gagnes 1-0 avec un but de Lamine Yamal, je veux dire, une tête de Lamine Yamal qui est détournée par Sergio Ramos dans son propre camp, et puis derrière tu subis un peu sur les dernières secondes et dernières minutes, normal vu que tu ne menais que d'un zéro, tu fais le parallèle avec le match du Barça face au FC Séville ce dimanche, il y a une galaxie d'écart entre les deux performances. C'est pourtant le Barça face au FC Séville, c'était l'un des rares matchs je pense où le Barça, même en ayant gagné que 1-0, n'avait pas été dégueulasse, ils avaient été plutôt corrects je veux dire la saison passée face au FC Séville. Malgré tout on était à des années-lumière de ce sentiment de domination qu'on avait eu ce dimanche face au FC Séville. Et donc, lorsque tu fais le parallèle avec la saison dernière, des matchs comme ça, le Barça a déjà franchi un step, parce que c'est plus le même Barça. On l'a vu, c'est là, c'est facile, limite, de mettre un 4-5-0 à des adversaires intermédiaires. Lorsque la saison dernière, lorsque ça arrivait, c'était un événement. On en parlait, ça y est, là, limite, on s'est habitué à ça. Donc, le Barça a déjà franchi un step sous Flick. Maintenant, le deuxième step serait de faire ça face au plus gros poisson, c'est-à-dire le Bayern Munich, ainsi que le Real Madrid. Si tu ne gagnes pas ces matchs-là, là, supposons qu'il y ait défaite, ça voudrait dire qu'il te manque encore du boulot avant d'arriver à ce stade-là de dire voilà, je suis prétendant à la Ligue des Champions. La saison sera longue, faudra juste relever la tête, continuer à travailler, rien ne sera perdu, juste ça sera une sorte de reality check. Ça veut dire que tu as fait de bonnes choses, mais t'es pas encore arrivé au point où tu peux regarder, je veux dire, les plus gros droit dans les yeux et dire voilà, là, ça y est, je vais te taper. Par
Par contre, si tu gagnes ces matchs-là, ça voudrait dire en fait que tu as déjà passé ce second step-là que moi, j'attends encore de voir. C'est le questionnement que tout le monde se pose. Où en est réellement le Barça face au plus gros? Si tu gagnes ces deux matchs-là, en fait, c'est simple. C'est un message que tu envoies à l'Europe. Je l'ai dit dans le débrief la dernière fois. Ça sera tout simplement là un signal que ça y est, en fait, t'es de retour. Et là, même les gros, ils t'affronteront plus en mode « ça y est, ils sont tombés, on va les prendre de haut ». Par contre, faudra toujours pas s'enflammer, il y aura du boulot, hein, parce que la saison, elle est encore très longue. La réalité de novembre, d'octobre, ça ne sera pas la réalité de février-mars. Donc, dans les deux cas, en fait, que ce soit défaite ou victoire, ben, ça n'annulera pas ce qui s'est passé depuis le début de la saison pour le Barça. Faudra juste t'appuyer dessus pour le reste de la saison, tout simplement. On avance avec les questions par rapport à la ligne haute. J'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. La grande majorité des questions, d'ailleurs, c'était par rapport à ça. Après, je comprends le côté anxiogène de la chose, parce que même moi, je ne vois pas que ça me stresse. C'est, je ne veux pas vous mentir et vous dire ici que ça y est, tout va bien, je ne suis pas stressé du tout. C'est normal. Lorsque je vois les questions, notre ligne défensive, c'est un suicide. Tu crois pas que Flick devrait faire attention, s'adapter? Le Bayern va nous tuer avec cette ligne défensive sur la médiane. Je pense vraiment que Flick n'est pas fou. Il voit tous ses commentaires, il va s'adapter. Voilà. Donc, en fait, les messages étaient... la plupart du temps, la même chose. Je comprends encore une fois l'inquiétude. Elle est tout à fait légitime, cette inquiétude. Mais en fait, je pense que nous, les supporters du Barça, on regarde trop la situation d'un seul côté. Parce que lorsque tu regardes du côté du Barça et cette ligne haute-là, naturellement, tu te dis « Waouh, on va s'exposer de fou ». Mais en face, les amis, n'oubliez pas qu'on a une équipe miroir face à nous. Le Bayern Munich est une équipe aussi qui joue extrêmement haut, qui laisse beaucoup d'espace dans son dos. D'ailleurs, la plupart des buts qu'ils ont encaissés cette saison, c'était des buts où ils avaient laissé de l'espace derrière, ils se sont fait punir. Et le Barça, cette saison, joue beaucoup aussi avec les contre-attaques, les transitions rapides. Donc, techniquement, ça sera qui fera le moins d'erreurs avec cette ligne haute-là. Après, de notre côté, on peut se dire que voilà, nouveau coach, Hansi Flick, il y a de nouvelles choses qu'on doit travailler. On n'a pas l'habitude au Barça, je veux dire, de jouer de la manière dont on joue depuis le début de la saison. Donc, on doit assimiler pas mal de choses. Mais du côté du Bayern aussi, Kompany, il vient d'arriver. Il y a de nouvelles choses qu'ils doivent aussi assimiler. Et on voit qu'il y a des ratés de leur côté. Ils ont déjà perdu, ils ont déjà fait des matchs nuls, ils ont été accrochés. Après, oui, il y a de grandes chances que le Barça se fasse punir comme ça dans le dos de sa défense très haute. Mais tout comme de l'autre côté, le Barça est aussi capable de profiter des espaces que le Bayern va lui laisser. En fait, je pense que ce sera un match très tactique, la vérité. Ça sera encore une fois deux équipes miroirs. Tu regardes Harry Kane, Lewandowski, c'est un peu le même profil, même si je trouve que Harry Kane a un peu plus de ballon que Lewandowski. Mais voilà, ce sont deux attaquants assez grands, pas très rapides. Tueur dans la surface, tu as Mikael Olise, Lamine Yamal, des profils un peu similaires comme ça, gauchers, qui peuvent rentrer dans l'axe et créer du surnombre avec leur qualité aussi de création et de finition. Tu as Pedri, Moussiala qui peuvent se regarder droit dans les yeux. Pour moi, c'est des profils similaires. Si jamais Moussiala joue parce qu'il revient de blessure, faudra voir. Ils ont perdu Pavlovic, mais je pense que voilà, ils ont quand même de la ressource. Mais tu regardes même Kimmich, Casado, pour moi, ça se ressemble un peu. Même si voilà, on va pas se mentir, Kimmich en termes d'expérience, tout ça, c'est pas du tout dans la même catégorie. Mais voilà, il y a pas mal de profils similaires, d'où la complexité de pronostiquer un match pareil. Pour moi, hein, c'est du 50-50. Ça sera l'équipe qui fera le moins d'erreurs techniques, l'équipe qui saura le plus profiter des erreurs de l'autre, parce que je pense qu'il y aura des buts dans ce match-là. En fait, vous savez, moi, si je dois faire le parallèle entre le match du Bayern et celui du Real Madrid, limite le match du Real me fait peur plus que celui du Bayern. Pourquoi? Parce que le Bayern, ils vont te laisser les espaces. Tu auras l'occasion toi aussi de leur faire mal. C'est à tous les coups le type de match qui peut se terminer par un 3-3, par un 3-2 pour une équipe ou une autre. Alors que le Real Madrid, tu sais d'ores et déjà, avec la forme du moment qu'ils ont, qui vont bien sûr rester derrière et essayer de partir en contre. Ça m'étonnerait très fort de voir le Real Madrid avec leur pressing désordonné qu'on voit depuis le début de la saison, là, venir chercher le Barça haut, parce que si tu viens chercher ce Barça-là haut et que tu n'as pas un pressing très agressif et ordonné, mais tu vas te manger une volée tout de suite. Donc je pense que le Real peut faire mal au Barça parce qu'ils vont attendre derrière et essayer d'exploser en contre derrière. Ils ont les joueurs pour. Non seulement ils ont les joueurs pour, mais en plus, le Real Madrid, dans les grands matchs, sous Ancelotti en tout cas, c'est leur habitude maintenant. Tout le monde le sait. Ils vont pas hésiter à parquer le gigabus et essayer de partir en contre alors qu'ils ont un effectif à limite 1 milliard. Alors que le Bayern Munich, c'est une équipe qui ne va pas se renier. Ils vont venir chercher le Barça très haut. Tout comme le Barça voudra aller les chercher très haut.
haut. Donc ça va être un match très tactique. Je ne pense pas que voilà, Hansi Flick changera son fusil d'épaule du jour au lendemain. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas écouté en conférence de presse après la victoire face au Séville, je pense qu'il a déjà dit à demi-mot qu'il ne changera pas. Il a dit que oui, c'est vrai que chaque match a ses réalités, les adversaires sont différents, on s'adapte, on change de petites choses par-ci par-là. Ensuite, il a enchaîné en disant que c'est pas pour autant que lui va changer, son équipe en tout cas, va changer sa philosophie du tout au tout et changer tout pour subir par exemple devant sa surface. Donc n'attendez pas à ce que Hansi Flick change les choses à 24 heures du début d'un match pareil, les amis. Je pense que ce qu'il va faire, c'est faire ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Il va mourir avec ses idées. Ça fait peur, oui, mais faut lui faire confiance, je pense. D'après, en tout cas, moi j'estime qu'il a gagné ce crédit-là par rapport à ce qu'il fait depuis le début de la saison. Même s'il se rate, hein, pour moi, il aura gagné ce crédit-là d'essayer des choses, d'être audacieux, en espérant que l'issue soit favorable au Barça. On enchaîne. Penses-tu que Lamine Yamal peut manger Fonzi, Alfonso Davies? Ben, ça sera un des match-up de la soirée. Le match peut se définir, peut se décider sur ça. Tout comme de l'autre côté, hein, si Oliz mange Baldé, il y aura pas match. Je pense que les individualités, il y aura beaucoup trop de 1v1 d'individualités en fait qui peuvent faire pencher la balance de ce match-là. Si jamais Moussiala joue et qu'il sort une masterclass, le Barça va beaucoup souffrir. Si Pedri a son niveau depuis le début de la saison, le Bayern va souffrir. Si Lamine Yamal fait une masterclass face au Bayern, ben, en fait, c'est pas forcément être face à Alfonso Davies, parce que Lamine Yamal, il a aussi tendance parfois à rentrer un peu plus dans l'axe, donc il n'aura pas forcément tout le temps à se frotter à Alfonso Davies. S'il est intelligent, il pourra juste profiter en fait de l'apport de ses coéquipiers en fonction du positionnement de Rafinha, de Koundé, etc. Donc oui, il y a moyen qu'il fasse un gros match, en tout cas j'espère, parce qu'on a besoin aussi qu'il soit à un très bon niveau pour gagner ce match là. Maintenant parlons un peu du 11. Ça, c'était le 11 qui avait débuté face au FC Séville. On a un problème dans les cages, hein. Mais bon, je pense que Flick l'a confirmé qu'il va débuter face au Bayern, même peut-être face au Real Madrid. Donc on est parti avec Iñaki Peña en espérant qu'il soit au moins décent, qu'il ne fasse pas de dinguerie. Je pense que derrière ça ne changera pas, on connaît tous, on sait tous que ce sera l'équipe type avec la défense type du moment. Casado, Pedri, je ne touche pas à ça honnêtement. Et puis devant, Rafinha, Ansu Fati, Yamal, Lewandowski. Je pense que Fati va sortir du 11. Il manque encore de rythme pour débuter un match pareil. Je pense qu'il soit pas prêt, je pense pas qu'il soit prêt, je veux dire, pour un match pareil. Et donc la question va se poser de savoir, est-ce que tu mets Pau Victor à gauche, ou alors tu remets Rafinha dans le demi-espace gauche pour mettre un numéro 10? Mais quel numéro 10? Là, les questions vont commencer à se poser, parce que on peut se dire que oui, Pablo Torre a fait une bonne entrée face au FC Séville, doublé. Donc pourquoi pas mettre Pablo Torre de nouveau en 10, mais je ne pense pas que Pablo Torre soit prêt pour affronter le Bayern Munich en tant que titulaire. Là, ça sera très physique encore une fois, ça sera très rapide, très intense. Je sais pas, il est pas mal, hein, Pablo Torre, mais je pense pas qu'il soit prêt pour un match pareil. Il y a une autre option, celle de faire débuter Fermín López, qui est ma préférée, parce que je ne pense pas que Daniel Olmo soit prêt à débuter un match, en sachant que, je veux dire, vu comment Flick protège les joueurs qui reviennent de blessures, ça m'étonnerait de voir Daniel Olmo tout de suite titulaire comme ça, après autant de mois d'absence, autant de semaines, je veux dire, d'absence. Donc je pense que Fermín López, en tant que numéro 10, ne serait-ce que pour son jeu sans ballon, ça serait très 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 intéressant, parce que son activité ici est plus celle de Rafinha ici, ça va énormément aider le Barça. D'autant plus que Fermín López, on connaît ici son appétit pour le but, il sera toujours dans la zone pour se proposer, prendre la profondeur, aller marquer des buts, faire des passes décisives. Donc voilà, moi je pense que Fermín López, ça sera l'option privilégiée, d'autant plus que voilà, il a joué, je pense, une trentaine de minutes, une vingtaine de minutes face au FC Séville. En termes de rythme, déjà, moi je l'ai trouvé très en jambes, hein, sa rentrée contre le FC Séville était pas mal. Il a cassé un rayon au bout d'un moment, il a fait mine de frapper, et je pense que ça est devenu une signature pour lui maintenant. Il y a une autre option qu'on pourrait aussi avoir, mais ça aussi ça m'étonnerait, mais ça serait tout simplement de voir Pedri monter plus haut, comme ça, en tant que numéro 10, pourquoi pas pour voir Frenkie de Jong dans le double pivot avec Casado. Mais là encore, Frenkie de Jong n'a pas joué contre le FC Séville. Flick avait dit qu'il comptait le faire débuter même contre le FC Séville, mais qu'il a ressenti une gêne la veille de l'entraînement, donc il a préféré ne pas prendre de risques. Donc s'il n'était pas blessé, je veux dire, s'il n'avait pas ressenti cette gêne-là, peut-être qu'il aurait débuté contre le FC Séville, il aurait fait un gros match, et il aurait été, je veux dire, en mesure d'être titulaire face au Bayern, mais là, je ne le vois pas
pas du tout être titulaire après autant de mois d'absence lui aussi. C'est un rythme comme ça face au Bayern. Donc je pense que l'option privilégiée sera peut-être celle de Fermin en tant que numéro 10, parce qu'on connaît son apport encore une fois avec et sans ballon, son activité. Le Barça en aura besoin. Tu veux battre le Bayern Munich, ça va au-delà des simples qualités techniques, faudra courir de partout. Et en ce sens, un mec comme Casado aura un rôle primordial. Casado sera dans la zone de Musiala, s'il joue en tout cas du numéro 10 du Bayern Munich. Il devra faire les bons matchs qu'il fait depuis le début de la saison, je veux dire qu'il soit son niveau. Il lit bien les lignes de passe, il est tout le temps bien positionné pour récupérer les ballons, il surgit assez rapidement sur les milieux adverses, les attaquants adverses. Donc je pense que lui, il aura un rôle très très important. Je pense qu'il sera titulaire, Casado. Et d'ailleurs, si Frenkie de Jong doit revenir dans le 11, va falloir qu'il montre qu'il est meilleur que Casado en fait, parce que je ne vois pas Pedri sortir du 11, et Olmo, pour moi, lorsqu'il sera fit, il sera indéboulonnable. D'autant plus que je pense que si Olmo rentre pour les 30, les 20 dernières minutes, il peut créer du chaos là encore, parce que moi j'espère bien qu'il pourra rentrer 20-30 minutes face au Bayern pour que il soit apte en fait à 100% face au Real Madrid, parce que Olmo, encore une fois, c'est un game changer, c'est le joker de luxe, c'est le joker, pas de luxe, le joker tout simplement, le mec qui peut faire balancer un grand match dans ton camp. Donc j'espère qu'il sera là et qu'on en profitera face au Real Madrid. Ça, c'est le 11 que je vois aligné face au Bayern Munich, le 11 que je pense que Hansi Flick va aligner. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas impossible qu'on voit d'autres choses comme Rafinha dans l'axe, Pau Victor à gauche, Pedri un peu plus haut, Frenkie de Jong. Voilà, donc Gavi, je ne pense pas qu'il débutera non plus, parce que lui aussi ça fait très longtemps qu'il revient. Je pense que Hansi Flick a juste voulu lui faire un petit kiff, voilà, pour son retour, lui donner un peu de minutes pour que il ait ce qu'il a eu, je veux dire, ce dimanche face au TCB, les émotions, les applaudissements du public, tout ça. Mais je ne pense pas que Hansi Flick le voit comme prêt encore à 100% pour débuter un match pareil. Mais si le Barça est dans une bonne posture, ça sera... Vous imaginez un peu la folie que le Barça gagne ce match et que Gavi rentre comme ça en deuxième période, ça serait incroyable. On n'a pas parlé de lui, mais Lewandowski, en fait, certes, il marque beaucoup depuis le début de la saison, mais frérot, les face-à-face, tu ne peux pas te permettre d'en avoir 2-3 à chaque match pour en manquer un. Donc, faut qu'il soit clinique, la vérité. Face au Bayern, face au Real Madrid, tu n'auras pas un milliard d'occasions non plus, même si je ne sais pas comment le scénario du match va se passer. Mais si tu te permets de bicrave un face-à-face parce que tu as amené le ballon de manière un peu bizarre, parce que tu as tiré sur le gardien, ça va être compliqué. Il va falloir être clinique dans des matchs comme ça. L'ascendant psychologique, tu l'as en ouvrant le score sur le peu d'occasions que tu as. Donc, espérons qu'il soit au niveau. Cette fois-ci, la dernière fois qu'il a affronté le Bayern, il n'était pas au niveau. Il a raté beaucoup d'occasions. Donc, cette fois-ci, monsieur Lewandowski, monsieur, on compte sur toi. Donc, voilà, les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est le 11 que vous auriez aligné face au Bayern Munich? Est-ce que vous voyez ce 11-là battre le Bayern Munich? On se retrouve pour les débriefs du match juste après, en espérant faire un débrief avec de la joie. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite.